pense qu'on a fait un bon début de match. On ouvre le score. À la mi-temps, on gagne 1-0. Je pense qu'on a fait un bon début de match. On ouvre le score. À la mi-temps, on gagne 1-0. C'est dommage qu'on fait un très mauvais début de deuxième mi-temps où on prend deux buts en 10 minutes, même pas. Après, ce qui est positif, c'est qu'on revient avec l'égalisation à la dernière minute. Donc, à défaut de ne pas le gagner, faut pas savoir le perdre. Donc, c'est plutôt pas mal. Déçu, bien sûr, l'issue, parce que voilà, on était mené 1-0, on avait fait le plus dur en revenant un partout, on a réussi à passer devant, on a eu quelques balles de break qu'on n'a pas très très bien négociées, voilà, l'adversaire a poussé jusqu'au bout et on est rattrapé sur le fil, donc voilà, ça fait comme la semaine dernière, voilà, on perd des points dans le temps additionnel, donc ça fait beaucoup. Voilà, donc dommage, voilà, c'est ce soir deux points de perdu. Hein. Ouais, match compliqué face à une belle équipe réserve d'avant. Je pense que ce soir on doit partir avec les trois points d'ici globalement sur la rencontre. On a des grosses situations à son pour nous, même si je pense que dans la possession avant il y a eu plus le ballon, mais avec des jeunes de cette qualité en face, techniquement c'était compliqué, avec des redescentes comme Reda Lamrabet, qui sont des joueurs d'un niveau dessus, c'est forcément compliqué. Mais on a été solide, on fait une grosse première mi-temps où on mène 1-0 à la mi-temps et on a 6 minutes où on est complètement, on n'est pas sur le terrain, on vient pas correctement. Et puis Avranches, eux, appuient sur ces 6 minutes-là et on prend deux buts. On est mené tout d'un coup au score contre le cours du match, je pense. Et derrière, on pousse, on n'a pas lâché, on a des grosses situations. On en a deux énormes, une par Samy et une par Flo, qui peuvent nous faire nous donner des regrets en fin de match si jamais on n'a pas ce dernier but à la 95e. Mais il y a eu ce supplément d'âme qui fait qu'on a continué de pousser. Les entrées ont fait du bien, les joueurs qui étaient sur le terrain ont tout donné. Et puis à la 95e, on est récompensé en allant chercher l'égalisation. Donc on aurait pu prendre 3 points, un peu de déception là-dessus. Mais par contre, très content et très fier du groupe. Et ils sont allés aller chercher pour le coach Philippe qui est malade aujourd'hui. Mathis aussi, un joueur du groupe qui est à l'hôpital et qui se remet. Donc on a vu des valeurs humaines très fortes sur le terrain et pour aller gagner un match, chercher un match nul à la 95e, c'est qu'il y a un état d'esprit qui est irréprochable et ça c'est top et on va essayer de bonifier ça sur la suite.